Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors il est 10h, tout pile. Je suis gelée. Ça caille sa mère. Il y a un orage cette nuit. Et là du coup ça s'est bien refroidi. Je sais pas combien est-ce qu'il fait, tiens. 15 degrés. Hier, on en avait 38. Faites pas donc, mamie, à la froid. 15 degrés, c'est pas beaucoup. Hier, j'avais chaud. J'ai l'impression que les chouilles font des bruits bizarres. Je me demande s'il n'a pas déjà ses premières chaleurs. Alors là, on serait pas dans le caca. Bref. Voilà. Mon chien m'énerve aussi. Alors, petit week-end, attendez, je reprends mes petites notes de mon week-end, tout simplement. Vendredi, après que je vous ai laissé, il y a donc DJ qui est passé boire le café, et voilà, tout simplement, ça s'est très bien passé, comme d'habitude. J'avais mes petits bébés sur moi, alors elle rigolait parce que Sky me tenait le doigt pour dormir et tout ça. C'était trop mignon. On a été après acheter des verres de farine parce qu'ils n'en avaient plus beaucoup. J'ai voulu aller dans un autre magasin pour voir s'il y avait d'autres insectes qui pouvaient manger. Alors il y avait des verres de cire, donc ça ils peuvent manger aussi, mais ils étaient beaucoup plus chers. Il y avait des blattes, elles étaient énormes. Je vous jure, c'était comme ça quoi. Et je voulais en acheter parce que je me suis dit, j'ai vu une fille. Hé, les titis! J'ai vu une fille qui a plein d'animaux exotiques, une américaine, hein, et qui du coup fait l'élevage de blattes. Et elle disait que c'était l'élevage d'insectes le plus facile à faire, et en plus que c'était des très bons insectes à leur donner. Mais chérie, je veux pas que je fasse l'élevage de blattes. Bon, je me suis négocié pour. Ils se battent, hein! C'est maman. Je prends pour surveiller. Hein? On va surveiller. Oui, maman va surveiller. Parce que je sais pas ce qu'il fait, ton frère, j'ai l'impression qu'il t'emmerde beaucoup, hein. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Polo. Qu'est-ce qui se passe, mes titis? Hein? Il t'embête? Tempête. Oui. Oh, elle vient se plaindre. Bon, je vais les garder un peu sur moi le temps que je vous papote pour les surveiller parce que je sais pas pourquoi elle gueule comme ça. Hein? Ma petite nénette. Oh, bah alors. Il t'embête ton frère. Bouffe-le, hein. Bon, oui. Te laisse pas faire. Maman va surveiller. Et donc je disais, je vais essayer de négocier pour quand même le faire parce que après il faut pas grand chose, il faut juste une boîte en plastique et des boîtes d'œufs. Donc vu la consommation d'œufs qu'on a chez nous, il n'y a pas de souci. On a acheté aussi une barre normalement pour les perroquets pour qu'ils fassent leurs griffes. Comme ça, elle est bien longue, pas trop large, et du coup pour essayer qu'ils sliment un peu les griffes parce que quand je les sors dans la tente ou quoi, ils monsieur, on ne sort pas parce qu'il y a le chat. Hein. Tu restes dans la housse. Hein. Ils se prennent les griffes dans tous les tissus, donc c'est extrêmement chiant. J'ai peur qu'ils se blessent, hein. Ça peut être dangereux. Parce que s'ils s'énervent et qu'ils n'arrivent pas à défaire leurs griffes, ils peuvent se rogner la douille, quoi. Enfin, la patte. Donc là, il faut que je fasse. J'ai toujours pas de nouvelles du gars pour la roue. Je vais lui envoyer un message parce que là. Puis mardi dernier, qui me dit oui, elle sera finie dans la matinée. Oui, certes, on est lundi et j'ai toujours pas de nouvelles. Elle doit être finie quand même, mais tu l'envoies quand? Parce que bon, c'est quand même 50 balles, hein, c'est pas non plus comme si j'avais payé 10 balles. Hein, il m'avait dit qu'il fallait compter une semaine de livraison. Voilà, quoi. Et du coup, le soir, je les ai sortis dans la tente. J'étais en short, très bonne idée. Enfin, cycliste, pyjama cycliste. Et du coup, Sky dormait près de ma foufoune. Voilà, elle dormait bien au chaud près de mon petit foufouillon, avec un léger relent de prise marinière. Et puis d'un coup, clac, elle m'a mordu la cuisse. L'intérieur de la cuisse, ça m'a fait mal. Bah, elle n'a pas mordu pour attaquer. Hein. En fait,
C'est comme les chichous. Pour goûter, comme les chatons, les chiots et tout ça, pour montrer leur affection, ils mordent. Alors, ils mordent pas très fort, hein, voilà. Enfin, ils mordillent, quoi. Et elle m'a mordillé la cuisse, mais vu que c'est un endroit déjà sensible de base et que moi, avec ma peau toute fletche, c'était encore plus sensible, ben, j'ai eu un petit peu mal. J'ai été saisie surtout. Le samedi, donc, c'était l'enterrement du grand-père de mon cher et tendre mari. Du coup, il a été avec son frère et la copine de son frère est venue passer la matinée avec moi. On a passé une super matinée toutes les deux à discuter, boire le café, manger. Et voilà, les hommes sont rentrés un peu tard, mais bon, voilà, c'est parce qu'il n'y a pas eu que l'enterrement. Hein. Après, on a encore demandé tel ou tel ou tel ou tel service, comme d'hab, quoi. Le soir, j'ai fait le live, un très beau live, encore une fois. J'avais les chouguis avec moi en plus. Je voulais vous remercier parce que vous êtes toujours tellement bienveillant et pas juste envers moi, vous êtes bienveillant envers vous-même, enfin entre vous. Et ça, je trouve ça tellement touchant que ça m'a tout émotionné pour le week-end. Franchement, vous êtes géniaux parce que si quelqu'un, si vous voyez dans les commentaires que quelqu'un marque que ça va pas trop et tout, vous lui souhaitez bon courage ou des choses comme ça. Et je trouve ça génial parce que tout le monde n'est pas toujours tourné vers les autres, au contraire. Donc voilà. Et on m'a dit qu'on avait la communauté que l'on méritait et qui nous ressemblait. Et ouais, c'est ça, c'est. Voilà, c'était trop beau. Et le dimanche, moi j'ai fait la vidéo que vous avez eue mercredi, le full face dédié à Maryse. Là, c'est la Pélouise que vous avez eue vendredi. Donc je vous remets la rediff du live et les deux vidéos là en barre d'infos si jamais vous les avez pas vues. Et voilà, si vous voulez voir les bébés, vous les voyez bien dans le live. Hein. Voilà, c'est tout pour mon petit week-end. Donc là, aujourd'hui, là, je vais me démaquiller pour aller tourner le réel de la palette parce que j'ai pris tellement de retard. Alors, mamie qui a toujours 2 semaines d'avance de vidéo, a un retard monstrueux. Surtout que je vous ai programmé. La semaine prochaine, c'est un réel par jour avec la marque du Tibet. La semaine du 4, ça sera une vidéo par jour. Comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, je vais inclure les cache-tours. Donc, je les mets en bonus pour pas enlever des autres vidéos pour ceux que ça n'intéresse pas, tout ce qui a rapport avec les animaux. Il y aura le live aussi. Je referai un live parce que je me fais engueuler parce que j'en fais plus assez souvent. Désolé, Maëlle. Moi aussi, je t'aime. La semaine d'après, si jamais j'ai bien reçu ma commande Colourpop, normalement oui, parce qu'en principe, je compte 15 jours. Il faut juste que j'aie eu le temps de la récupérer chez mon frère ou qu'il me la dépose. À ce moment-là, la semaine d'après, donc du 11, vous aurez un swatch and make-up tous les jours Colourpop et un réel. Donc, je me mets une charge de travail incroyable. Après, les réels, ça va, parce que même que les gosses sont en congé. J'ai pas d'horaire pour les tourner, même si je veux le tourner l'après-midi. Bon, j'aime pas trop me maquiller l'après-midi, mais si j'ai un peu de retard, je le fais. Là, les vidéos, je suis obligé de tourner le matin tant qu'eux, ils dorment. Parce que sinon, c'est le bordel, quoi. Une fois qu'ils jouent, c'est fini. Hein. On les entend plus parler, eux, dans mes vidéos que moi. Voilà. Bref, donc voilà. Ça sera. Ou alors la semaine Colourpop, si je les ai pas reçus à temps, je les décalerai d'une semaine. Maintenant, ce qui m'inquiète un peu, c'est que celle de Vinted me les a toujours pas envoyées non plus. Ça fait 3 jours. Donc là, c'est le dernier jour, je crois, pour qu'elle me les envoie. À moins que le dimanche n'aille pas compter. Donc il faut qu'elle me les envoie demain, quoi. Voilà. Sinon, dans la semaine, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Pas grand-chose, je pense. C'est les congés scolaires pour moi. Enfin, pour moi. Pour Sam et pour moi aussi, du coup. Donc je me lève pas le matin, je mets plus sonner de réveil et tout ça, sauf si je dois faire quelque chose. Là j'attends une commande chine, j'ai toujours super mal. Hein, il y a plein de pus à l'intérieur, vraiment de la commissure, alors ça fait super mal. J'attends une commande chine, j'attends le reste de mes commandes AliExpress, j'attends la roue et j'attends le colis Vinted de la dame. Chine, normalement je dois le recevoir cette semaine. Sauf que là, c'était pas marqué qu'il était arrivé encore, donc ça sera pas aujourd'hui. J'ai pas reçu encore le truc Bipost pour dire qu'ils avaient reçu le colis, donc je devrais l'avoir dans la semaine, donc je pourrais vous montrer ça dans le vlog, parce qu'il y a cet article.
cet article donc 2 pour les animaux. Moi, c'est toujours pas marqué qu'il est arrivé. C'est étonnant parce que d'habitude ça va super vite quand même. Donc on verra bien. AliExpress, normalement, je devrais bientôt recevoir. Je clique sur tout, mais mes icônes, mais pas la bonne quoi. Je vous avais dit que j'avais commandé des housses pour eux, enfin des petits sacs, des nids quoi, lapin. Ouais, lapin, avec des oreilles de lapin, quoi, tout simplement. Mais parce que c'était une matière où je pense qu'ils se prendront moins les griffes dedans. Et ça, ça a été envoyé à part, les piercings aussi. Donc, là, il est arrivé au pays de destination. En cours de livraison, c'est marqué, mais c'est pas marqué qu'il est à Aubange encore. Donc, il est en Belgique. Il marque délai estimé le 7 juillet, mais je pense que je vais l'avoir assez vite. Et les piercings, c'était 15 jours de livraison. Il vient de partir celui-là. Dédouanement réussi, mais de Chine. Donc là, il marque le 4 juillet. Donc écoutez, on verra bien. Hein. De toute façon, quand je reçois, je vous montre. Et bon, 15 jours de livraison. Ouais, le 4, c'est juste. Ça fait lundi prochain. Comme dirait ma nièce. J'aime bien quand elle dit ça. Voilà. Bon, du coup, ils dorment. Voilà, il suffisait que je les prenne pour qu'ils se calment. Je ne sais pas ce qu'ils ont là depuis ce matin. Je vous dis, je me demande si Shadow commence pas à essayer de la sauter. Et là, ça. En fait, je discutais avec, avec Céline hein, qui me les a vendus. Elle disait fin août, ça risque d'être un peu tendu. Parce que s'il est précoce, il aura presque 8 mois et ça peut commencer à se reproduire à partir de 8 mois. Mais il faudrait que les deux soient précoces en fait, voyez. Et là, il a 6 mois. Donc il peut pas. Il peut pas être si précoce que ça. Laisse-moi le temps de prendre les rendez-vous et qu'on puisse s'arranger pour y aller. Hier, dans la tente, même Sam, il m'a dit, la vache, c'est dingue parce que... Ils sont après toi à mort, quoi. Surtout Shadow. C'est vrai que Shadow est très collant. Très collant. Je vous ai mis des stories. Il me descendait carrément sur la tronche. Il s'accrochait à mon bout de nez, quoi. Mais je l'ai fait sortir. Le premier truc qu'il a fait, c'est venir près de moi me faire un petit bisou. Et ça m'était assez impressionné de voir que ça allait si vite, la liaison. Mais bon, c'est comme je l'ai dit, je passe un temps fou à m'en occuper. Hein. Voilà. Vous aurez vendredi prochain la FAQ des animaux. Donc si vous, jamais vous avez des questions, quoique je pense que je vais tourner cette semaine, donc ouais non, je dis ça, mais c'est n'importe quoi. Vous n'aurez pas le temps, enfin j'aurai déjà tourné quand vous verrez le vlog. Mais j'ai eu pas mal de questions intéressantes. Donc voilà, j'essaye de réfléchir aussi s'il y a des autres trucs qu'il faut que je vous dise qui sont importantes, au cas où. Mais voilà. Non, si je mets mes cheveux comme ça, ça va les embêter. Là, je vais essayer de les remettre dans la cage en espérant qu'ils ne se battent plus. Pour aller me démaquiller, refaire mon teint et faire mon réel. Comme ça, ça fait un truc de plus de filmer. Ouais, voilà. Comme ça. Ah oui, à partir de demain. Attends, j'y suis. Hein. Ça fait que 15 minutes que je papote. Hein. Nouvelle série de vidéos, donc ça sera un lundi sur deux pour switcher avec une palette, un make-up, puisqu'on a fait le tour. Il y a juste le lundi d'après où je ferai la XX Envie, ouais, c'est ça, parce que ben, j'ai envie de l'utiliser et que c'était la dernière qui restait dans le tirage au sort, puisque là, assez beauté, je l'ai utilisée dans la vidéo Full Face Maryse. Donc je vais utiliser la XX Envie et ensuite je pourrais, j'ai refait toute ma liste. Je pourrais incorporer les nouvelles telles que la Pélouise et quand j'aurai les Color Pop. Comme ça, on alterne, puisqu'on a déjà fait une fois toutes mes palettes. On va recommencer, mais on fera une semaine sur deux. Et une semaine sur deux, je ferai une reproduction de maquillage sur Instagram, parce qu'il y en a que je vois qui sont magnifiques. Et il y en a beaucoup que vous m'envoyez, que vous me partagez. Marie, c'est son truc, hein. Elle adore me partager des make-up que je pourrais reproduire. Donc comme ça, je ferai une semaine sur deux une reproduction de make-up Insta et une semaine sur deux une palette à make-up. Voilà, et comme ça, ça m'amuse et on risque de découvrir des beaux comptes. Donc voilà, mais écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui.
Sauf si le facteur m'amène quelque chose après. Bah, de toute façon, là, je vais attendre le facteur. Bon, de toute façon, tant que je me démaquille et que je refasse mon teint. Là, j'ai remis le fond de teint Good Apple, mais ça a bougé sur mon nez. Mais je pense que c'est à cause que j'avais pas attendu assez longtemps entre mes soins et mon teint. Moi, je les adore, ces petites choses. Là, j'ai envie de les manger. Gougou me fait la gueule. Hier, il n'a même pas voulu venir près de moi. Il me narguait. Queenie, elle m'a pas lâché. Hein. Elle me collait à mort. Parce que, en fait, hier, j'ai fait l'inverse. Je les ai fait sortir après les choubis. Normalement, eux sortent après ma sieste et je sors les choubis que le soir, vers 8h30, dans la tente. Mais là, hier, j'ai fait l'inverse parce que Chéri était donc à la maison et qu'il était sur son PC et qu'il n'aime pas trop avoir la plaque devant son ordinateur pour pas qu'il ait bouffé les fils. Donc, du coup, j'ai fait l'inverse et je dis, ben, vu que moi, je vais pas aller me coucher tôt, vu que je commence à me décaler déjà vacances. Je les ferai sortir après. Et puis pour finir, il s'est dit, bah, de toute façon, j'ai regardé le Grand Prix. Donc il les a fait sortir. Donc ils sont sortis pendant 2h30. Et Gougou me faisait la gueule. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai fait sortir les petits avant lui. Ça ne plaît pas à Sa Majesté. J'aurais dû l'appeler King. Autant Queenie, c'est une vraie queen, que lui, c'est un vrai petit con. Tout simplement. Mais il me faisait la gueule. Ils sont partis se coucher. Voilà, bon, bah écoutez, 17 minutes d'entrée de vlog pour le premier jour, je pense que c'est pas mal quand même. Hein. J'ai trop de choses à vous raconter à chaque fois. Il faut que j'arrête de vous raconter ma vie. Ou de parler des animaux. Parce qu'une fois que je commence, je m'arrête plus. J'ai mal quand je souris. Je vais faire la gueule hein, pendant une semaine ou deux, là, le temps que ça se soigne. Mais c'est vraiment. Ici, bon, c'est un peu croutineux, dégueulasse. Mais là, vraiment, à l'intérieur de la commissure. J'ai une craquelure, ça s'est infecté, il y a du pus. J'ai beau désinfecter, ça part pas et ça fait super mal. Bref. Bon, allez, sur ce, on switch le jour, sauf si le facteur m'amène quelque chose. Mais je pense pas. Alors, il est 9h55. Le facteur vient de passer m'amener ma petite Comanchine que je vais vous montrer juste après. Je viens de me démaquiller, j'ai voulu tourner la vidéo de lundi et j'ai totalement foiré le make-up. Donc, je me suis démaquillée, je vais refaire mon teint et je vais tourner le Disney Challenge qui est la vidéo de mercredi. Vu que celle du lundi, c'est des bonus. Donc, ouais, de toute façon, j'ai encore le temps de la tourner. Hein. On n'est que mardi, donc j'ai encore le temps de la tourner tranquille ou bilou. Donc, j'ai bouclette mes cheveux, ce qui ne va pas du tout aller avec le thème Disney qui est Pocahontas, qui est chou tout lisse, mais tant pis. Je crois que j'avais que ça à vous dire. Ah non, hier j'ai voulu aller trop vite. J'ai voulu aller plus vite que la chanson. J'ai voulu sortir les titis. J'aurais mis une petite activité à la fenêtre en me disant ils vont monter après le rideau, se mettre sur le truc et sauter au moins sur moi. Et ben non, ils sont montés au rideau, oui, mais ils sont restés buggés au-dessus du rideau. Voilà, donc j'ai eu du mal à les récupérer. Alors, il a fallu 3 quarts d'heure pour les récupérer. Et du coup, après, je les ai remis dans la cage. Donc, ce soir, je referai la tente. On va les laisser s'habituer d'abord bien, bien avec la tente. J'ai voulu aller plus vite que la musique. Hein, c'est ma faute, j'avoue. Voilà. Alors, ma petite commande Chine. Pour commencer, j'ai pris le fond de teint Shiglam, là, le Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm. Vous m'avez demandé de le tester, tout simplement. Alors, j'ai pris la teinte. Est-ce que c'est noté là? Non, ça n'a pas l'air d'être noté. Sand. Donc, Amy m'a dit, mais t'es folle, ça va être hyper foncé. Donc, il est livré dans un petit pochon en velours, hein, ce que je trouve totalement débile, mais bon. Il se présente comme ceci. Voilà. Hop. En fait, je me suis dit, puisque vous avez la possibilité sur les fonds de teint Shiglam de trouver l'équivalence par rapport à un autre fond de teint que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc je me suis dit, je vais me baser sur le Catrice que moi j'utilise. D'ailleurs, je vais le sortir comme ça, on va pouvoir comparer s'ils font à peu près juste. Qui est le Neutral Sand. Donc c'est bien du sand aussi, hein, on est d'accord, hein. Sauf que là, c'est à sous-ton neutre. Ici, c'est peut-être plus à sous-ton jaune. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit planté autant que ça. Sauf que, ouais, il y a plus de sous-ton jaune.
Mais je pense que ça peut quand même aller. Par contre, quand je regarde par rapport au KVD, parce que j'ai regardé une fois que Marise me l'a envoyé, là j'utilise le Light 12. Il paraît un peu plus haut, quoique. Il est juste plus jaune en fait. Celui-ci a vraiment des sous-tons un peu plus neutres. Mais question foncitude. Je pense pas que ce soit. Donc là, je vais pas swatcher rien puisque je vais vous faire une vidéo crash test. Mais on swatchera avec les autres justement. Mais voyez, par rapport au Catrice, j'ai pas l'impression qu'il se plante tant que ça. Hein. À part que, ouais, il est juste un tout petit peu plus jaune puisque je prends exprès un à sous-ton neutre. Mais on testera ça dans une vidéo, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, je crois. Attendez, je vous dis ça. Ouais, mercredi, donc pas prochain, mais enfin pas celui qui vient, le prochain. Le 6, quoi. Voilà. Donc, bon, moi je vais le tester avant puisque je vais tourner certainement la vidéo avant. Mais j'ai hâte. Je ne sais plus trop ce qu'Amy a dit dessus. Elle l'aime beaucoup de mémoire. Je ne sais plus trop ce qu'elle a dit par rapport au goût d'Apple, mais il me semble que c'est à peu près l'équivalent. Donc voilà. Bref, je testerai ça. J'ai vraiment hâte de le tester. Parce que le goût d'Apple. Hey, on se bat pas. Donc je vous note les prix. Ah, voilà. Je me suis repris un tapis de souris, donc j'ai encore repris un cerf. Ouais. Donc j'adore les tapis de souris chez eux parce qu'ils sont bien grands. Et ils sont de très bonne qualité. L'autre que j'ai, je lave très régulièrement. Et comme ça, je pourrais faire un switch. Parce que je reste à peu près une journée, le temps de faire tourner ma machine, de la pendre et que ça sèche. Je reste les trois quarts de la journée sans tapis de souris. Et j'ai horreur de ça parce que mon truc ne glisse pas bien. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir changer. Surtout que là, le blanc se salit assez vite. Hein, vu que j'ai tout sur mon bureau. Moi, je vis sur mon bureau. Donc je vais pouvoir les changer. C'est ce que je ferai tout à l'heure. Je me suis pris un t-shirt tout simplement parce que j'avais envie, il me faisait plaisir, enfin je le trouvais joli, j'adore la couleur en plus. C'est un, je sais pas, c'est un rose mauve comme ça, j'adore. Alors c'est marqué Cappuccino for a perfect morning. Alors c'est du flocage, mais le flocage chine, franchement, il n'est pas de bonne qualité parce qu'on le voit, on le sent. Mais si vous les lavez bien à l'envers, il tient relativement longtemps. Hein, donc voilà. Et c'est des cappuccinos. Style Starbucks avec des têtes de chat. Voilà. J'avais juste craqué sur la couleur hein, et puis je me suis dit comme pyjama pour traîner à la maison. Je me suis pris ce petit top parce qu'il était en promo et que j'adore les petits tops de chez Shein. Donc c'est un top asymétrique que vous mettez comme ceci. Voilà, assez court, comme souvent chez Shein. Hein, c'est vraiment souvent très court. Je sais pas ce que mon chien fait. Je me suis pris un petit ensemble boxer et brassière. Donc, voilà le boxer avec un gros élastique. Voilà. Je ne vais peut-être pas forcément le mettre en tant que culotte, mais plus comme ensemble bah, pour traîner à la maison en été. J'adore ça. Et j'aime beaucoup la brassière avec des larges bretelles. Une large bande ici en dessous et elle est croisée dans le dos. Ça n'a pas été évident de vous montrer. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ça fait un peu style Calvin Klein. Et c'était vraiment pas bien cher. Donc, voilà. Et j'ai pris deux trucs pour bébête. J'ai pris d'abord une petite cabane pour les choubis, que je vais leur mettre juste après. Que vous recevez en kit. Hein, il faut la monter. Sans explication. Après, ça va, c'est assez simple. Donc voilà, c'est une petite cabane, tout ce qui est le plus basique pour hamster, hein, c'est pour les hamsters. J'ai pris en bleu parce qu'en vert, elle était plus dispo. C'est pour ça que j'ai commandé, en fait, pour le fond de teint et pour ça, parce que la verte était déjà plus dispo et celle-ci restait 3 pièces, je crois. Donc hop, j'ai à la prendre. L'échelle s'enlève, hein, mais bon, ça, on s'en fout. Mais je pense que ça va bien leur plaire. Ils aiment beaucoup ce qu'ils peuvent rentrer dedans et monter dessus. Donc je vais leur mettre après. Je pense que je vais leur enlever la bouteille. Ils jouent beaucoup dedans, mais. Comment, tout à l'heure, ils étaient tous les deux dedans ce matin quand je me suis levée et il y avait de la buée. Alors, ça m'inquiète. Donc, je pense que je vais leur enlever. Et j'ai pris un panier pour le chat. Donc, forcément, c'est la pièce la plus chère. Voilà, ça avec une espèce de berceau comme ça et un pompon. Le coussin s'enlève à l'intérieur et je pense qu'il va être bien content de l'avoir. Bon, là, avec le chien qui mue, je vais devoir l'aspirer très souvent. Mais voilà, je
vais voir. Après, il y a des petites oreilles aussi. Après, j'ai pris un des moins chers. Hein. Je vais regarder un qui soit assez grand et pas trop cher. Donc, voilà pour ma petite commande de Shein. Ouh, ça bouge. Donc, vous voyez, j'ai pas abusé. Maintenant, je vais devoir tout ranger. Je changerai mon tapis de souris après. Ça, c'est pour mon thé. Et voilà pour ma petite journée du mardi. Donc là, je vais refaire mon teint. Je suis en train de regarder les vidéos de Boucassin. Je suppose que ça se dit Boucassin. Vous l'avez fortement conseillé suite à ma vidéo True Crime. Donc, je vous la remets en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue. Et j'aime beaucoup. Voilà, merci. J'aime beaucoup. Et voilà, c'est tout. Donc, tiens, il y a des pubs. For all 15%. Je vous montre le code. Là. Sur toute commande, il y a un bon de 15%. Voilà, c'est le même code sur les deux. Après, ils disent pas s'il y a un... Enfin, il y a un ID en dessous, donc je sais pas si c'est juste pour moi. Je ne sais pas. J'essaierai. Ah non, l'idée, c'est le truc qui monte. Et ils disent pas s'il y a un sens spécial pour utiliser le code. Il n'y a pas de détail. Voilà. Bon, de toute façon, je vais le garder pour ma prochaine commande. Et bon, là, faut que je me calme parce que j'ai déjà limite plus de budget. Hein. Je dois encore rembourser mes Klarna. Ah, j'ai rien déjà tout. Et là, le mois prochain, il faut que je commande la palette pour le concours. Je sais pas encore laquelle je vais vous mettre, mais voilà. Il manque plus que ça et je verrai bien à ce moment-là laquelle est en promo ou s'il y a une nouvelle sortie. Puisque vous avez choisi la surprise, vous aurez la palette surprise. Voilà. D'ailleurs, je me demande si je vais même pas faire le concours sans vous montrer quelle palette je vous offre. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Bref. Bon, allez, sur ce, je vais recommencer mon teint et tout ça pour aller filmer Disney Challenge. Et comme ça, nous, on peut switcher du jour. Bon, il est 21h30, je vous prends un peu tard, mais voilà, je suis dans l'attente. Donc, il y a Chérie qui joue, il y a Sam qui mange, je crois. Donc là, on a ici Sky qui est encore en mêlée. Non, c'est bon. Et on a Shadow qui fait sa toilette. Enfin, alors, je ne vais pas savoir vous le montrer comme ça. Il fait sa toilette dans le creux de mon genou. Ouais, je ne sais pas si vous le voyez. Bon, là, c'est la patte de cac. Donc ça doit être un 32. C'est qui est là? Vous ne voyez pas du tout en fait. Attendez. Voilà. Ah, il se cache. Shadow. Montre comme t'es beau. Shadow. Montre comme t'es beau. Oh, qu'il est beau. Oh, il dort. Voilà, il veut dormir. C'est la bonne. Alors, je ne sais plus dans quel sens je vous prends. Ah, oh, attendez, ouais. Vous allez avoir la nausée. Et ici, on a mes mères Sky. Qui est accroché encore. Il faut vraiment que j'arrive à leur couper les griffes. Non, pas après le téléphone. Non, pas le téléphone. Elle change de bras. Elle va descendre près de Shadow, je suppose. Donc voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu comment je faisais avec eux dans la tente. Donc bah, je patiente. Elle va l'emmerder. Elle vient de pousser. Je patiente, je laisse un peu aller. Oh, merde. Pardon. Pardon, mon Shadow. Oh, mon petit pépé, t'es embêté. Voilà. C'est très amusant parce que du coup, le contact se fait beaucoup plus facilement puisqu'ils cherchent à se cacher près de moi puisque je leur laisse rien d'autre pour se cacher. J'enlève leur pochette et tout. Donc, du coup, bah, ils viennent beaucoup sur moi. Donc, ça fait un lien un peu plus puissant. Et voilà. Par contre, d'office, ils me font pipi dessus. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, je vous reprends demain quand on sera au calme et seul. Voilà.
Alors, il est 10h26. Il faut vraiment que je range mon bordel. Ce serait peut-être temps. Là, j'attends le facteur parce qu'il vient m'amener un colis AliExpress. C'est des pochettes pour eux, les poches. Enfin, des nids, quoi. Et je vous montrerai demain, je pense. Là, j'attends qu'ils viennent pour aller filmer. Je suis prête depuis plus d'une heure. Et quand j'ai vu que j'avais un colis qui allait arriver aujourd'hui, je me suis dit, je vais attendre. Donc, j'attends. Ensuite, j'irai filmer. Heureusement, c'est une vidéo qui devrait aller assez vite. Celle que j'ai foirée hier. Voilà. J'ai dû changer le make-up, hein, du coup, parce que l'autre, j'ai trop foiré, ça m'a dégoûté. Bon, sinon, j'ai rien d'autre à vous dire. Chéri a encore gagné des sous qui n'étaient pas prévus. Il a une chance. Je lui ai dit, t'es un vrai cocu. Du coup, quand il reçoit les sous en question, il va m'offrir ma commande Glam Shop. Donc, je vais pouvoir me recommander des fards Glam Shop que mon mari m'a fait découvrir. Enfin, français. Et donc, du coup, voilà, je vous ai mis une petite annotation. Le top, il se met croisé. Alors, je vous montre pas trop parce que j'ai dû enlever mon soutif. Donc, du coup, j'ai les nichons qui pendouillent. Mais voilà ce que ça donne pour le col, quoi. J'adore. Après, je pense que vous pouvez un peu aussi jongler, mettre les deux bretelles du. Enfin, quoi que. Si on a un petit nœud, peut-être. Parce que celle-ci est assez longue. J'aime beaucoup. Voilà. Je vous montre ce que ça donne dans le dos. Il y a même. Voilà. Ah, merde, j'ai bronzé. Ça, c'est la merde. Et j'ai bronzé que d'un côté, je pense. Pardon. On vérifie l'autre côté. Bon, j'ai bronzé un peu, mais moins. J'ai horreur de bronzer. Voilà. Il y en a qui font les carpettes. Moi, je ne supporte pas ça. Le pire, c'est que je bronze même quand je ne m'expose pas. Hein. Je suis toujours à l'ombre. Mais les UV, c'est pas forcément le soleil. Bref. Donc voilà la petite coiffure bien chiante à faire aussi, mais que j'aime beaucoup. J'ai fait ça. J'ai mis du temps. Du coup, quand j'aurai reçu ma commande Glam Shop, je vous ferai une vidéo avec les swatchs des fards. Voilà, ce sera un petit haut, les swatchs. J'ai vraiment hâte de pouvoir la commander. Chéri en congé. Demain, c'est férié au Luxembourg et il a pris son vendredi pour faire le pont. Je me demande s'il n'est pas en train de carabistouiller pour m'emmener chez Primark, s'il a eu les sous. Parce que samedi, il n'est pas là, il fait le déménagement d'un pote. Dimanche, j'aimerais bien quand même aller chez ma mère parce que je devais y aller la semaine dernière, mais avec l'enterrement du grand-père, on n'a pas su y aller. Le week-end d'après, ils vont faire la tombe de la grand-mère avec son frère et son père. Ouais, on a des week-ends, enfin, il a des week-ends assez chargés. Moi, je fais rien. Voilà. Chérie parlait aussi d'aller au resto samedi soir avec son frère. Ouais, c'est Julie. Donc, je vous ai inclus un petit bout d'hier dans la tente avec les soubis. Et après, ils sont endormis dans ma main, contre ma cuisse. Ils n'ont pas compris que s'ils se mettaient ici, c'était plus facile pour moi de les tenir et de les tenir en boule. La facture. Ça rentrait dans la boîte aux lettres. J'aurais su ça, j'aurais pu les filmer. J'ai plus facile à les tenir en fait. Ils n'ont pas compris que dormir avec ma cuisse comme ça ou ma main dans le dos, parce que des fois ils dorment limite en dessous de mon bras comme ça, donc je dois les tenir comme ça. Mais c'était trop choupi. Sam, il rigolait parce qu'il dit c'est fou comme ils sont déjà forts après toi. La dame qui me les a revendus aussi, je lui ai envoyé tout de suite la petite vidéo et elle a trop craqué. Elle dit oh, c'est fou comme c'est beau quoi. Donc voilà. Par contre, il faut vraiment que j'arrive à leur couper leurs griffes parce qu'ils n'arrêtent pas de s'accrocher partout. C'est extrêmement chiant. J'essaierai peut-être de faire ça ce soir avant de les sortir. Parce qu'avant de les sortir, je les prends toujours un peu sur moi pour qu'ils comprennent qu'on va aller dans la tente. Et ils sont très calmes à ce moment-là. Ils dorment bien profondément et tout. Maintenant, j'arrive à mettre ma main dans la poche. Même qu'ils dorment, je mets ma main dedans et puis ils dorment en boule dans ma main. Donc, je pense que ça peut aider pour leur couper les griffes. Voilà. Tout simplement. Je vais chercher ma petite commande dans la boîte aux lettres et je vous montre, tiens, tant qu'on y est. Hein. Puis après, j'irai filmer. Voilà, c'est ça que j'ai commandé. Alors, elle a une bonne taille. Je suis contente. J'en ai pris trois hein, pour pouvoir faire un suite. J'ai tous les trois de la même couleur. Sinon, c'était rose et bleu. Et comme c'est un mâle et une femelle dedans. Donc, vous avez les petites oreilles qui retombent comme ça par-dessus pour les cacher.
Vous avez les petits crochets pour accrocher à la porte et c'est une texture, je sais pas, c'est du coton, donc je pense qu'ils se prendront un peu moins les griffes dedans. Maintenant là par exemple il y a un fil qui, ah bon ça va, il s'enlève. Les coutures à l'intérieur n'ont pas l'air trop apparentes, donc c'est tout bon. Je vous montre la couture à l'intérieur. Hein. C'est pas trop trop apparent. Donc bah écoutez, je vais leur en mettre une dans leur cage. Donc je vais les filmer, comme ça je verrai après. Il y a la petite queue aussi, mais la forme, je m'en foutais. Hein. C'était vraiment la matière et la taille. Ouais, je pense. Pour eux deux, c'est largement assez. Si j'en ai un troisième, c'est largement assez aussi. Donc voilà. On verra s'ils vont dedans. Ça y est, je parle, les chichous, le bordel. L'air de dire occupe-toi de nous au lieu de t'occuper d'eux. Voilà, voilà. Ben écoutez, c'est tout. Je sais plus combien j'ai payé ça. Attendez, je vais vous donner le prix tout de suite. Je suis en train de regarder 50 nuances de gris. Je suis au troisième. J'ai commencé hier soir. AliExpress. Je vais faire pipi aussi avant d'aller filmer. Après, j'attends mes piercings et le reste est regroupé. Voilà. Il y a un truc qui est parti après. Donc, je sais pas s'il va être regroupé. Je ne sais pas. 12 août. 5,03€ les trucs. Et j'ai pris en taille L. Je vous mets le lien en barre d'infos. Hein, si jamais c'est pour les hamsters et tout ça aussi. Donc, après, si les oreilles vous gênent, vous les mettez derrière. Moi, je pense que c'est peut-être que je vais faire au début. Enfin, quoique. Mais si je leur mets d'abord dans leur couche pour qu'ils s'habituent à aller dedans, de toute façon, ça pendra vers le bas. Donc, je sais pas trop. Je vais voir. Je pense que je vais quand même leur accrocher au barreau pour voir s'ils vont dedans. On verra bien. Bref. Voilà, voilà. J'espère qu'ils ne prendront pas les griffes dedans. C'est tout ce que je demande parce que c'est dangereux hein, qu'ils s'accrochent. Je vous l'ai déjà dit. Donc. Voilà pour ça. Bon, sur ce, moi je vais. Oh, les pubs en streaming, c'est un truc de fou quand même. Je vais aller filmer. Et je vais encore monter le Disney Challenge que j'ai pas monté. Cette vidéo-là que je devrais monter aussi. La journée de vlog que je devrais monter aussi. Après, il faudrait peut-être que je me décide à ranger mon bordel. Mais comme j'ai la motivation d'une huître en ce moment. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, on suit le jour. Oui, j'ai toujours pas rangé le bordel. Alors, il est 10h27. Je viens. Attendez, je suis coincée avec ma roulette. Je viens de finir de tourner ce réel que vous aurez. Alors, attendez. Attendez. Ben, lundi. Ouais, c'est celui de lundi. Chéri et Ulissou, donc il m'a validé ma commande Clam Shop. Donc là j'attends que ça se valide. Ensuite il j'ai été con, j'aurais dû faire le paiement par PayPal. Là je l'ai fait par transfert bancaire puisque ça venait de son compte à lui et qu'il n'est pas enregistré sur mon PayPal. Mais j'aurais dû faire le transfert PayPal et qu'il me transfère les sous sur le compte. Ça aurait été beaucoup plus rapide, je pense. C'est moi qui ai été con. Là, je vais voir. Je vais dire qu'il surveille si le paiement part bien. Parce que le compte, c'est polonais. Je suis en train de ressortir une base parce que j'ai fini l'autre. C'est polonais. Et du coup, le truc n'était pas très explicite. Le numéro de compte était un peu bizarre. Donc, lui, il a rajouté PL devant pour Pologne. Et sinon, ça ne prenait pas le numéro de compte que eux fournissent. Donc voilà, écoutez. On verra bien. De toute façon, si ça passe pas, je ferai par PayPal. J'attends que le facteur me dépose mes piercings d'AliExpress. Donc on changera au moins le tragus ensemble. Tragus, oui, tragus. Parce que le conche, ça va être très délicat à changer. Là, je vais profiter que Chéri est là. Enfin, il est là. Il est en long week-end.
puisqu'il a décidé de faire le pont, voilà, pour la fête nationale luxembourgeoise. Donc là, j'ai tout le monde à la maison, la copine Enzo qui vient ce soir jusque demain. Ensuite, demain, ils repartent ensemble chez elle pour le week-end. Tout un bordel, je sais pas ce qu'ils foutent. Là, ça fait au moins 3 semaines qu'ils se sont vus quasi tous les jours. Tant mieux pour eux, hein. Au moins il est bien avec elle, donc c'est le principal, c'est tout ce que je demande. Voilà, c'est tout pour l'instant. Donc je pensais que le facteur était passé tant que j'étais en train de filmer, parce que ça rentre clairement dans la boîte aux lettres, hein. C'est une petite pochette de Cypersing. Ah, preuve la chérie. On doit aller au champ aussi, donc... Je sais pas si j'arriverai à tourner ma vidéo FAQ spéciale animaux. Donc, on verra bien. Bon, je vais vous laisser parce que comme il va arriver par là et qu'il veut pas trop être sur les vlogs et compagnie, je respecte ça. Donc, voilà. De toute façon, je vous reprends tout à l'heure pour changer un ou deux piercings. Je vais voir. Je verrai à ce moment-là. Et voilà. Donc, à tout à l'heure. Alors, il est... 10h01, décidément je vous prends toujours sur écoute 10h cette semaine. Alors, je viens de tourner ce réel à l'instant. Voilà, je viens de le finir. Donc, c'est celui que vous aurez mardi, c'est avec la Edge of Opulence. Donc, je vous rappelle que vous avez un réel tous les jours avec les 6 palettes Beauty Bay que je possède, un par jour. Voilà, donc la semaine qui arrive. Oh, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis levé depuis 6h, mais j'ai été mouché à 2h. Donc, j'ai faim. Et je vais faire pipi, au passage. Donc hier, j'ai changé mes deux piercings ici. Je vais vous zoomer un peu. Voilà, donc j'ai mis celui-ci au tragus et celui-ci à l'hélix. J'aime bien. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux tailles de tige. Donc, à voir maintenant. J'attends avant de changer le conge. Hein, parce que celui-là, il va être très pénible à changer. Déjà que j'en ai chié pour les deux là. J'attends de voir si je fais pas de réaction ou quoi que ce soit, mais je pense que ça aurait déjà commencé à me gratter ou à rougir. Mais là, voilà, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour le prix, je pense que je vais pouvoir changer très souvent de par 5. Voilà. Sinon, hier, on était aux courses, on a été chez Auchan avec Chéri, mais vu qu'il y avait beaucoup de monde, ça a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que je vous ai pas repris pour changer les piercings, parce que je les ai changés que le soir. On a dû racheter un micro-ondes puisque le nôtre avait claqué, voilà, tout simplement. En même temps, on l'avait depuis le mariage, il me semble. Sauf que c'est un cadeau de mariage de mon beau-frère. Bref, donc il me reste plus qu'à vous donner le planning de la semaine prochaine. Pour mon téléphone. Alors, on est là demain, pour vous, une nouvelle série de vidéos. Donc, je vous en dis pas plus. Vous verrez. Bah, quoi que si, je vais vous le mettre. Je vais, en fait, je reproduis une semaine... Enfin, un lundi sur deux, maintenant, je vais reproduire un make-up que vous me partagez ou que j'ai vu sur Instagram. Voilà, je vous explique plus dans la vidéo de demain. Mercredi, le Disney Challenge. Donc, ça, c'est à 16h et c'est sur le thème de Pocahontas. Et vendredi, la FAQ spéciale Nanimo. Et le vlog dimanche. Voilà. Et donc, j'ai des poils partout. Mon chien m'énerve à muer. Je vais le tondre. Qu'est-ce que je veux dire? Mais il m'énerve ce poil. Je le vois pas. Je sais plus ce que je veux dire. Oui, donc vous aurez un réel par jour. Et je crois que c'est la semaine d'après qu'on se retrouve tous les jours. Attendez, je reprends mon planning. Ouais, la semaine d'après, on se retrouve tous les jours en vidéo. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une semaine complète. En même temps, j'avais beaucoup de retard. Bon, là, j'ai toujours du retard, hein, mais... Quoique, non. J'ai la vidéo de lundi. J'ai même pas celle de vendredi encore. La FAQ, je l'ai pas encore tournée. Je voulais la tourner hier. Puis, comme on est rentré tard du magasin, j'ai pas pu. Aujourd'hui, j'aurai peut-être le temps, mais comme il y a les jeunes en haut, parce que la copine d'Enzo est là, donc... Je vais essayer de pas trop blablater en bas, comme ça je les réveille pas. Et je la tournerai demain. Voilà, parce que demain, chérie est pas là. Enzo et sa copine repartent.
Je serai toute seule avec Georges, et Georges, il n'est pas prêt de se lever le matin, donc demain matin, je pourrai tourner tranquille. Comme ça, je tournerai le crash test du fond de teint en même temps Chiclam. Et voilà, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Non. Non, c'est bon. Donc voilà ce qui conclut notre semaine ensemble. Qui aurait été plus courte que la semaine dernière, hein, on est d'accord. Enfin, le vlog aurait été plus court que la semaine dernière. La semaine, elle a été pareille. Oh, j'ai pas beaucoup dormi. Donc, Momolitude puissance 10 et connerie puissance 100. Ça, c'est normal. Ben voilà. Ben écoutez, sur ce, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de me dire en commentaire, de répondre aux questions que je vous ai posées durant tout le vlog, mais je sais plus c'est quoi. De vous abonner, ouais, si c'est pas encore fait. Voilà, on se retrouve bah, de toute façon demain en vidéo. Oh, j'ai un poil qui m'énerve, hein. Et donc il me reste plus qu'à vous dire bisous, bisous.